Bonjour, bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. On est mercredi, il est 11h47. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la tempête qui est prévue. Donc, j'espère que vous n'aurez pas trop de dégâts chez vous. Normalement, nous, on doit être épargnés. Donc, voilà, on a de la pluie depuis ce matin, mais je pense que de toute façon, c'est le temps normal, hein. J'adore ça, vous le savez. Donc, voilà un petit peu. Je viens d'uploader du coup la vidéo en action sur YouTube. Donc, elle est en train de faire son petit bonhomme de chemin, comme on dit. Je voulais vous montrer avec quelle palette, hein. Je me suis maquillée avec celle-ci, c'est celle que j'avais trouvée à Noz. Et franchement, c'est une palette, hein, autant d'automne que d'hiver. Regardez-moi ces teintes, elles sont magnifiques, hein. Donc du coup, j'ai utilisé celle-ci pour ma paupière mobile. J'ai utilisé celle-ci pour mon ras de cils. Et j'ai mis un petit peu du coup d'irisé sur ma paupière mobile. Et franchement, c'est vraiment une palette d'automne. Donc du coup, je l'ai sortie. J'essaye encore une fois, comme je vous dis, de sortir mes vieilles palettes, de faire des rotations. Je voulais vous montrer aussi un petit peu parce que je vous prends pas beaucoup en vlog en ce moment. Alors c'est Rachel au cœur de vos rêves. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Pour celles qui me suivent assidûment depuis un bon petit moment, elle m'a fait un petit pot comme ceci, trop mignon. Donc en fait, c'est un petit pot de confiture, hein, ou un petit pot de autre, hein, qu'elle m'a customisé, donc avec une petite rose comme ceci, et qu'elle m'a du coup vraiment bien, bien, bien embellie. Elle m'a mis une petite fleur qu'elle a fait elle-même. Elle fait vraiment des très belles créations. Elle m'a fait une petite fleur comme ça, avec du coup une feuille de livre. Voilà, elle est trop trop belle. Et elle m'a mis un petit coussin au fond, du coup, pour que je puisse mettre la fleur et que ça se voie bien. Voilà. Merci beaucoup à toi, Rachel, pour ce petit cadeau. Franchement, c'est trop mignon. J'ai aussi reçu un petit cadeau quand j'ai commandé mon calendrier de l'Avent Max & More, hein, à mon amie. Et elle m'a fait une petite chouette crochet. Regardez-moi ça. Elle est trop kiki. C'est une petite chouette, hein, d'automne. Elle est trop belle. Donc, du coup, je voulais vous la montrer. Et du coup, j'ai continué. Donc, j'ai mis mon diamond painting de côté. Et j'ai fait des petites pattes de chat comme ceci. En diamond painting, je vous en ai mis un dans le concours. Le concours arrive bientôt, rassurez-vous. Donc voilà, et en fait, c'est pour accrocher. Voilà, vous avez du coup un petit truc pour pouvoir accrocher soit sur des clés, soit sur un mur ou autre, hein, ou comme vous voulez. Donc je vous en ai mis un, bien sûr, dans le concours, hein, des 12 000. Je ne l'ai pas encore terminé, il faut que je le termine, mais il arrive bientôt, rassurez-vous. Hier, on a plein de choses à faire, hein. On a été au médecin, on a fait un drive. Voilà, il fallait chercher les cachets pour Pichou, etc. On avait commandé du pâté pour elle, mais du coup, le livreur, forcément, est arrivé le seul jour de la semaine où on est sorti. Donc du coup, normalement, il doit repasser aujourd'hui pour relivrer son pâté spécial insuffisance rénale. Et j'ai commandé le calendrier de l'Avent Shein. Donc je ne sais pas si vous l'aurez cette semaine. Tout dépend quand est-ce qu'il arrive. Voilà. Alors c'est pas vraiment un calendrier de l'Avent. Je pense qu'il y a débat un petit peu sur ce calendrier de l'Avent, puisqu'il n'a pas du tout l'allure du calendrier de l'Avent. Au niveau du prix, il est quand même à 70 euros. Moi, avec le code promo de moins 25%, je crois que j'ai réussi à l'avoir à une cinquantaine d'euros. À voir. Franchement, j'espère qu'il est bien. J'espère que les produits sont bien. Donc, vous l'aurez prochainement sur ma chaîne, l'unboxing. Et au niveau des calendriers de l'Avent, ce sera tout du coup pour cette année, pour moi personnellement. Voilà, j'en ai fait quelques-uns, j'ai réussi à en faire quelques-uns. Mais voilà, les finances sont pas à rallonge, malheureusement. Donc forcément, je ne peux pas tout acheter. Mais voilà, en tout cas, je suis contente d'avoir fait des belles découvertes cette année encore au niveau des calendriers de l'Avent. Je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vais aller me démaquiller, je vais aller manger. Et puis, je vais continuer ma série Lost, mais j'ai du mal à la continuer. Je suis aussi du coup sur le diamond painting que je vous mette à l'endroit. Je crois qu'il est comme ça. Je suis sur celui-ci que j'ai acheté sur Temu. Il est trop, 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 trop beau. Regardez-moi ça. Donc, du coup, je suis en train de le
commencer tranquillement mais sûrement. Et puis voilà, aujourd'hui il va rien se passer de spécial. De toute façon, on a tout fait hier, donc on est tranquille aujourd'hui. Je perds un peu ma voix en faisant les vidéos, ça m'agace un petit peu. Mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est les effets secondaires. Je tremble aussi de la main. Je sais pas si vous avez remarqué dans mes vidéos, mais je tremble des mains. Et ça, c'est pareil, c'est les effets secondaires des médicaments. Donc c'est pas cool parce que j'ai l'impression d'avoir de plus en plus d'effets secondaires. Là j'ai rendez-vous cette semaine avec ma psychologue et puis sinon voilà, il va rien se passer de spécial. Je suis pas d'une grande motivation en ce moment pour vous filmer des vidéos, mais j'essaye de me faire violence parce que je sais que vous les attendez avec impatience pour certaines voilà, à 17h. Donc j'essaye quand même de faire du contenu, mais je vous avoue que cette semaine je suis pas très motivée. Donc peut-être que vous aurez pas beaucoup de vidéos je sais pas, on est mercredi. J'ai fait déjà une vidéo que lundi. Aujourd'hui, vous avez le haul action qui va sortir. Je pense que demain, vous allez avoir donc jeudi ce vlog et peut-être vendredi le concours. Je sais pas. Je sais pas trop comment ça va se goupiller, donc on verra bien. En tout cas, le principal, c'est que je suis toujours là, rassurez-vous. Mais c'est vrai que cette semaine, voilà, j'ai d'autres choses à penser. D'autres petits soucis à penser. Donc voilà, donc je suis pas forcément centrée sur YouTube, mais rassurez-vous, rien de grave. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que la tempête vous balayera pas trop, parce qu'ils annoncent quand même des fortes rafales et beaucoup de pluie. On est vendredi, il est midi 24. Je viens de terminer du coup d'uploader la vidéo calendrier de l'Avent chez Glam. Je me suis remis un petit pull parce que j'avais, enfin un petit gilet parce que j'avais un peu froid. J'adore les. J'ai mis les créoles de chez Stand Privé, je les trouve très très belles. Je suis pas très créole en général, mais je trouve qu'elles sont très très belles. Je me suis maquillée avec ma petite Jeffree Star aujourd'hui. Donc j'ai mis celui-ci. Sur toute ma paupière mobile, j'ai mis celui-ci en ras de cils et j'ai mis celui-ci du coup sur ma paupière mobile pour faire un petit peu de paillettes. Voilà, cette palette-là, je l'adore. Franchement, je l'adore. J'ai reçu des petits échantillons hier, donc je vais pouvoir vous les montrer. J'ai reçu déjà de Dior un petit échantillon de fond de teint. J'ai reçu donc un petit échantillon comme ça de la marque Dior. C'est un petit échantillon de fond de teint. Voilà. Ça, je vais pouvoir les ranger. Et j'ai reçu de la marque Hermès le nouveau parfum, le Barenia. Et en fait, le packaging est trop mignon. Il est trop beau à ouvrir. Il est comme ceci. Donc, c'est pour femme. Et il y a le petit échantillon qui est juste ici. Donc, voilà pour les échantillons. Cette semaine, comme vous l'avez vu, j'étais pas trop motivée pour faire des vidéos. Franchement, j'ai un peu un manque de motivation cette semaine. Voilà, tout simplement. Donc, c'est pour ça. C'est pour ça que vous n'avez pas eu beaucoup de vidéos. J'espère que vous m'en voulez pas trop. La semaine prochaine, je vous ferai la vidéo du concours. Il faut que je m'y attelle hein, ce week-end pour finir le lot. Vu que je vais vous rajouter des petites choses des calendriers de l'Avent que j'ai unboxé. Voilà, et que je ne vais pas utiliser. Ça ne sert à rien. Donc autant que ça aille dans le concours. Donc ça, vous l'aurez la semaine prochaine. Après, au niveau des autres vidéos, je ne sais pas trop ce que je vais vous faire. Mais bon, je vais bien trouver. J'ai regardé la série Tout mais pas ça. Je vous mettrai une petite photo juste ici parce que c'est en anglais, mais moi j'ai juste retenu le nom en français du coup. Tout mais pas ça. Et franchement, je l'ai adoré. C'est une mini-série, c'est dommage. Franchement, elle se regarde très très vite. Mais franchement, c'est une série romantique et ça faisait longtemps que j'avais pas regardé une série romantique. Et franchement, ça fait du bien. Un petit peu d'amour dans ce monde de brut. Et franchement, je vous la recommande si vous ne l'avez pas encore vue. Elle est assez rapide à regarder. En plus, donc c'est assez sympa si vous n'aimez pas les grandes saisons. Voilà, j'ai toujours pas fini la série Lost parce que j'ai vraiment du mal, donc faut vraiment que je la termine la série Lost, que j'aille au bout. Mais du coup, j'ai fait une coupure pour regarder cette série-là puisque je l'avais vue un peu passer sur TikTok, donc j'étais un petit peu curieuse de voir un petit peu ce que ça valait. Et franchement, je suis trop contente parce que c'est vraiment une série vraiment top. Il y a Plateforme 2 aussi, la Plateforme 2 qui est
sortie, donc il faut que je la regarde parce que j'avais regardé la plateforme 1, mais il faut aussi que je regarde la plateforme 2. Donc voilà un petit peu au niveau des séries. Aujourd'hui, on a un petit peu de soleil, ça va, on a été épargné par les inondations, etc., qu'il y a pu avoir avec la tempête. J'espère en tout cas que vous n'avez pas eu de dégâts parce que j'ai regardé un petit peu sur TikTok et franchement, les pauvres personnes qui ont tout perdu, franchement, si vous faites partie de ces cas-là, je compatis de tout cœur avec vous. Nous, ça va, on est passé à travers, donc on a eu vraiment de la chance. Et puis voilà un petit peu ce qu'il en est pour cette semaine. Je vous mettrai le vlog demain, donc samedi. Là, je vais tout simplement comment dire, le monter et je vais vous le mettre directement, comme ça sera fait. Et comme ça, vous aurez un petit peu des news et le savoir pour le pourquoi du comment. J'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais j'avoue, j'étais pas très motivée cette semaine. J'espère en tout cas que la motivation va revenir à la semaine prochaine. Voilà du coup ce qu'il en est pour ce vlog. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.